Salut tout le monde! Ben voilà, je suis encore toute seule aujourd'hui. En fait, Francine se sent toujours pas bien. Mais bon, maintenant, ça fait quand même 2 semaines qu'il est malade. J'espère que ça va s'améliorer. Il a toujours un petit problème sur les bronches, donc voilà. Enfin, c'est pas grave. Passons aux choses sérieuses. C'est la vidéo d'aujourd'hui va vous présenter nos premiers pas sur le territoire canadien. Et vous expliquer ce qu'on a fait pendant les 15 jours en attendant nos fils, puisque comme vous le savez, nos garçons arrivaient le 17 juin. Et voilà, ils sont déjà repartis. Ça, je vous expliquerai ça la semaine prochaine en vidéo. Et puis, oui, on vous en dira un peu plus. Enfin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Elle est un peu plus courte que ce que je fais habituellement. Mais bon, c'est toujours avec la même passion et la même envie. Donc, régalez-vous. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu. À bientôt, les amis! Alors, comment tu te sens maintenant? Ah ben, vachement mieux, hein? Alors, on a bien profité. Bon, le matin, c'était corvée. On a juste fait le nettoyage. Un bon nettoyage. Et puis, alors, après-midi, là, on a pu profiter de ce beau soleil. On est en t-shirt. On est allé faire 2 heures de balade en vélo dans,
dans les bois, les chemins, n'importe où, mais on s'est bien plu. Et puis là, maintenant, on va pouvoir jouer à Azul. Voilà. Il y a un petit problème là, il y a de l'eau. Les éclaircies furent de courte durée, mais Laurent et Brigitte sont venus avec leur bonne humeur et leur chocolat suisse falsifié en chocolat belge. Il y a tellement de flottes, ils ne savent pas par où aller, ils ont peur de se faire déjà. Embourber, c'est vrai? Oui, oui, ils patinent déjà en démarrant, mais ça va aller. Hein. Oui, regarde, hop, hop, hop. C'est bon. Elodie qui avait peur. Oula, ah ouais, ça glisse quand même. Hein. C'est bon. Et non. Puis c'est nous qui restons embourbés. Ils ont échappé. Ça va à droite. Oui, hein. Il n'y a personne, hein, tu penses. Sous cette pluie. Oh, les trous. On pleure. On pleure toutes les larmes de notre corps. 8 degrés. Depuis 2-3 heures du matin, il n'arrête pas. 100% oui, de pluie. Aujourd'hui, mais les jours précédents, il a plu aussi. On a eu quelques éclaircies. Alors en plus, on a eu Elodie, Brigitte et Laurent qui sont venus nous rejoindre des Suisses. Et on n'a même pas pu profiter, quoi. On était là sous la pluie. C'est la cata. Ouais, ils nous aiment pas, ils nous piétent en plus. ils s'en vont. Voilà, c'est ça aussi notre voyage. Il n'y a pas toujours bon, on y rose. Voilà, il n'y a pas que le soleil, les belles photos, etc. Il y a aussi le temps de merde et dire que l'année passée c'était canicule. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Bon, on ne sait même pas où aller. Une fois encore, nous arrivons sous une pluie battante. Vraiment pas de chance car l'endroit avait vraiment l'air pas mal. Avant de rejoindre les Elobrillo, nous allons sur les pistes de vélo de montagne de Golden. Et là, bingo! On va 200 kilos en plus dans le camping-clair. Ça diminue cette fois. Ils vont arriver. Ben, d'après ce que j'ai vu sur KLM, l'avion aurait atterri là. Maintenant, on va voir si on s'est allé chercher avec le camping-clair, s'il n'y a pas des problèmes de hauteur. Ça, ouais. C'est autre chose. Ben, on verra bien. Il y a un système qui a l'air chouette, c'est le Collot. Cellot. Donc on se met au parking, on attend qu'on nous appelle, on peut y rester pendant une heure. Et puis quand les voyageurs arrivent, il y a un endroit où on peut les reprendre. Bon, on va aller voir tout ça. On va aller là où il est marqué Cell Phone Waiting Lot. Donc la zone d'attente des cellulaires, c'est ici à droite. C'est bien fait ça. Oui. Alors, quels sont tes sentiments? J'ai le cœur qui palpite. Comment tu te sens? Excitée de les revoir. Et est-ce que tu crois qu'ils sont contents de nous revoir?
quand même un peu, ouais. Un petit peu, hein. C'est surtout pour les vacances, hein, mais... Ouais. C'est parce qu'on leur a payé les vacances, on leur a payé tout qu'ils sont contents. Non, je pense qu'ils sont quand même contents de nous voir. Oui, hein. Mais ça, ils l'avoueront pas. Bah, non, hein. C'est normal. Ce sont des hommes. Oui. Ils ont leur fierté, hein. Ah ah. Ils vont pleurer? Non, hein. Et toi, tu vas pleurer? Non, hein. Tu vas pleurer deux fois, quand ils vont arriver et quand ils vont repartir. Surtout quand ils vont repartir. C'est comme avec les ch'tis. Ouais. Oui, oui, oui. Moi, j'ai vu Quentin. Moi aussi. Allez, circulez. Il est là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il trépique impatience. Il va nous bourrer dedans, là, devant. Il y a des coups de soleil. Alors... mon garçon. Et mon petit. La plus grande qu'elle petit. Elle plus petit qu'elle plus grand. Mais, je t'ai laissé enfant et voilà un homme, dit. Oui. Garde comme c'est gras. Ce n'est que de la graisse. Dans les kidnappings, avant de donner la rançon, on demande si la personne est encore en vie. Ici, avant de démarrer, on va regarder si vous avez toutes les pièces. Ah oui, ça. Ton tabac surtout. Ouais, il faut rembourser nos dettes en plus. Et rien n'oublier dans l'avion, hein, les écouteurs et des machins comme ça, il y a l'épreuve. On n'oublie jamais rien. Voilà. Tiens, tout le truc là. Et hé. Tu sais que ce matin, heureusement que c'est pas moi qui allais chercher Quentin. Hein. Tu t'es pas levé? J'ai mis plein de réveils. Je sais pas ce qui s'est passé et je me suis même pas réveillé. À aucun réveil. À 6h, je suis chez lui. Il m'appelle, je me lève. Je l'appelle, je dis comme ça. Ouais, regarde bien, tu vas voir, il dort encore là. Je le dis, mais pas pour rigoler en fait, il dormait vraiment. Pourtant, un réveil, je rate jamais moi. Non, tout tu. Ouais. Je sais pas si j'ai été somnambule et que j'ai désactivé ou quoi, mais. On va démarrer, on va pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah bon, bah, qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait 10 mois que j'en ai plus pris. Ça fait du bien, hein? Ah. Bien chaud. Ah oui. Ça fait combien de temps que tu es dans l'eau? Oh, une demi-heure, trois quarts d'heure au moins. Moi aussi, je restais une heure. Ah oui, assez gay, hein? Oui. Ça nous manque un petit peu, mais voilà. On s'est ressourcé, on est reparti 10 mois, là. Ah ouais, ouais. On est en pleine forme. Ah, quel bonheur, là, quand même, de temps en temps. C'est top, hein? Ça, pour nous, c'est comme ceux qui ont une vie normale et qui vont dans un hôtel 5 étoiles. Ben, pour nous, la baignoire, c'est du 5 étoiles. On est content avec peu de choses, hein? Oui, oui. Et on est top, hein, dans ce petit logement. Ouais, super bien, super propre. Ouais. Un petit logement à Calgary, je conseille. Ce sera qu'une nuit, mais comme on a récupéré les enfants aujourd'hui. Mais une nuit, ça suffit, après on est parti. Hein. Ouais. De toute façon, si tu veux faire ici, à part ouais, c'est ça, quoi. Prendre un bain. Et on va en prendre un demain matin encore. Pourquoi pas? Ce serait exagéré. Ouais, ce serait abusé. Non, c'est top. Et là, ils font dodo, les enfants, parce que ben, nous, il est 21h30, mais... c'est comme s'il était 5h30 du matin, donc oui. Ça fait une demi-heure qu'ils sont au lit. Ils sont fatigués, les gamins. Oui. Heureux, hein? J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'il n'y a pas eu trop de blabla. Cette vidéo a été très courte, mais vous aurez plein de choses à voir la semaine prochaine avec nos garçons. À très bientôt, salut tout le monde. Si vous aimez les Frabiz, abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu. Et vous aurez du ciel bleu. Hey everybody, thank you for watching the video. I hope you loved it. I just wanted to give you a quick reminder to subscribe to Les Frabiz and give them a thumbs up. Thumbs up. 3. Si vous aimez les Frabiz, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu. Et activez la cloche! Alors, abonnez-vous à le Frisbee et pongez-le un me gusta. Abonnez-vous, Frabiz. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous au Frabiz.
Mettez un petit pouce bleu.